Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Alors, je m'attendais justement à pouvoir passer quelque part. Attendez, c'est cassé. Non, je m'attendais à pouvoir le casser pour passer. Mais non. Alors, je vais pas vous mentir, je suis assez déçu. Et pas assez déçu. Bref. Blague moisie. Oula, non, c'est pas ça que je veux faire. Crac. Du coup, c'est pas par là. Et si c'est pas par là, c'est par où? J'ai peut-être oublié la clé quelque part, cela dit. Cela dit. Ah, il y avait ce passage-là aussi. Oh, me dis pas que j'ai éteint toutes les lumières. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Je peux pas l'ouvrir malgré tout. Comme le jeu est bien fait. Donc on va rallumer. Ça va me faire stresser en plus. Crac. Tu veux bien? Merci. Crac. Ok, donc comment je suis censé pouvoir passer? Soit je mets des points dans la force physique, et je ne peux pas. Il doit y avoir un moyen. Est-ce qu'en tapant dedans, je peux les... Pas besoin. Pas besoin. Oh merde. J'ai chié dans la colle. Voilà. Bon, c'est pas grave. On a gaspillé une, ça doit pas être très nombreux, mais c'est pas grave. Et donc du coup, je peux passer. Et j'arrive où? Pas au bon endroit. Merde. C'est là-dedans que j'ai besoin d'aller, moi. Bon, on va repasser par l'endroit où je suis passé la première fois, du coup. Je préfère passer en hauteur. J'aurai plus de visibilité. Ce sera bien mieux. Ok, bon. On va s'en sortir, chers amis. On devrait s'en sortir assez facilement. Je suis passé là-bas? Je ne sais plus. Oui, oui, ça me parle, c'est bon. Là, il y a le gaz qui souffle sa mère. Ok, on y est. T'inquiète, je suis en forme. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Merci. Au moins, on reconnaît le bruit maintenant. Sans conteste, hein. Je peux aller nulle part. Ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux. Question, il me semble que le pistolet électrique fait masse dégâts. Il me semble, hein. En
Change de pile. Il y en a un deuxième. Y'a un typhoon. Merde. Y'a un typhoon. Y'a un typhoon. Je sais pas où y'en a un. Mais y'en a un. Et là je peux récupérer absolument tout. Et ça c'est le plaisir. C'est le bonheur. Putain, j'ai pas réparé 3. Merde. Typhoon. Saloperie. C'est pas grave. Batterie à ruinement Q11. C'est la fête. Fatigué pour courir, d'accord. Faudra que je m'en souvienne. Ok, bon, ça se passe pas si mal. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Ingénierie appliquée, pourquoi pas. Il y a trop de chaises. Ça va? Ça va. Bon, bah tant mieux. Ok. Une, deux, trois chaises. Tac. Coucou. Ça va? Tout se passe bien? Le travail se fait bien? Tu m'auras pas. Saleté. Bah maintenant vu que j'en ai plein, hein, tu sais quoi? Voilà. Un neuromode, ça valait le coup. Ça valait carrément le coup. Mon armure, elle en est où au passage? Il me semble que j'ai cru entendre à un moment qu'elle était endommagée. Non, ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ici. Selon moi, ça vaut le coup. Ah, d'accord. Je crois qu'il allait réparer les différents trucs. Merci. Merci, merci du fond du cul. Peut-être qu'il va réparer les trucs, ouais, effectivement. Et j'avais un doute, mais... Peut-être que... Waouh. Des radiations. Ça me permettrait de monter là-haut. Ah, 83-99. Ok, c'est bon. J'ai honte. J'ai honte de l'avoir perdu. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ah là là, t'étais pas discret finalement. Un petit deuxième. Viscosité du canon Gluck. Live, il faut améliorer la vitesse de rechargement du canon Gluck. Les actionneurs sont vraiment ultra lents. Ah, modificateur. Juste à côté. Sait-on jamais. Ah, pied détaché. Fil dénudé. Fuite. Neuromode x2, ça c'est bon. Ok, on a deux neuromodes, chers amis. Deux neuromodes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça fait trop au total, quand même. Là, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Robustesse, endurance, mobilité, transcendance. Ça pourrait être intéressant, ça, mais je sais pas à quoi ça correspond véritablement. Médecin 2, ça peut être intéressant aussi. Amélioration du métabolisme, double la durée du statut, pleine forme, et de la quantité de restaurer. D'accord. Nécropsie, ça je sais pas si ça peut être intéressant. Ou alors j'attends pour des niveaux supérieurs, si je puis dire. Ah non, 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 c'est 4, c'est forcément 4 là que j'attends. Ah la vache, d'accord, j'ai plusieurs trucs à améliorer pour ce niveau là.
Wouah, bah ça vaut clairement le coup de passer ça alors, du coup. Ça vaut clairement le coup de passer sur le rendement. Télescope, examiner. Waouh. Attendez pas à ça. Ok, cool. Oh, tout d'un coup. Et ça, c'est pas la fête. Sympa dans le coin. Même si j'ai pas trouvé la porte. Ah oh, d'accord. C'est emmerdant. Voilà. Attendez, j'ai 275 de charge, mais... La vache, ça coûte cher la charge, je crois que j'avais 275 balles, je me disais merde. C'est la fête, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans en fait, tout compte fait. Plan de fabrication de modificateur d'armes, ça c'est vachement cool. Tu le dis. Par contre, du coup, j'ai pas tant de trucs pour construire en fait là-dedans. Hein. Je veux pas dire, mais. Hypopsis, par contre, j'en ai à chier partout. Un neuromode, cool. Le leurre à Typhoon. Ok. Le leurre à Typhoon. Le leurre à Typhoon ou veilleuse émettent un signal psycholuminescent qui attire les Typhoons pendant une durée. Prend une courte durée, combinez-les avec d'autres armes et stratégies pour tendre des petites embuscades, vous empêcher, vous échapper ou observer les Typhoons en toute sécurité. D'accord. Ok. Il faut bien regarder pour le coup, hein. Ok, ça se passe plutôt bien. Ça je ne peux pas parce qu'il me faut réparation 3. Ah c'est mon pote, ça c'est mon pote, pardon, excusez-moi, je stresse un poil, mais en fait non, c'est mon copain. Oui, donc je peux, grosso modo, je peux ouvrir vu que... What? Et n'oubliez pas, les autres SAS que vous croiserez devront avoir été au préalable déverrouillés de l'intérieur. D'accord. Votre combinaison n'est pas encore équipée d'un propulseur. Vous en aurez besoin pour vous déplacer. Ok, donc cherchez un propulseur. Objectif. Voir sur la carte. Ça me semble logique. Non. J'aurais essayé. Ça je prends, les charges UM ça peut être hyper pratique. Même si j'aurais rien contre... Ok. Question. D'accord, il saute vraiment très très haut. C'est une bonne nouvelle. Charge UM. Y a rien d'autre là-dedans. Ok. Ah, j'aurais pu passer là. Oh, ma merde. Bon, dis donc, si j'avais su. J'en fais toujours un de trop, vous voyez. C'est ça l'habitude, ça encore. Hein. Propulsion. Ok, cool. Guide de l'uniforme. Marron et noir. Administratif et entreprise. Vert, d'accord. Et donc d'accord, c'est marron, j'imagine. Ok, j'aurais préféré que ce soit un rouge et noir. En rouge et noir. La la la. Oh là. Il est bugué.
Ok, c'est bon. Ok. Dossier 2. Fléchette pour arbalétrier. Arbalétrier, transférer le dossier. Voilà. Crac. Je l'ai déjà donc. Mais vous voyez, c'est intéressant finalement. Email. Ligue des assassins. D'accord. Fabricateur. Oh putain, ça y est. J'en ai tombé un. Alors, faut que je fasse. Ah merde, faut que je fasse ça en premier. De base. Objet rare. Ramasser objet. Ok, il est là. Et ça, c'est cool. Maintenez espace quand vous tombez pour planer ou ralentir votre chute. Ça, c'est cool. Maintenant. Maintenant, bah écoutez, je vais sauvegarder ce que j'ai parce que j'aimerais trouver le moyen de faire des neuromodes, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Ouh! J'avais pas vu ça, dis donc. Marcus, ouvre les yeux. Ils ont un recycleur. Cool. Grande question, est-ce qu'à un moment ou à un autre, je trouverai des armes déjà améliorées? Ça, c'est une question importante. Ok, merci. Hop. Donne-moi tout ça. Ouh, jackpot. Ting 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 ting. Ah là là. Waouh, j'ai vu un tas de choses là-bas. D'accord, je peux ne pas chuter, mais je ne peux pas me propulser. On s'en souviendra. Faut vraiment fouiller partout, hein. C'est assez incroyable là pour le coup, hein. J'adore, hein, mais. Ok, j'ai récupéré plein de trucs. Je peux déjà retourner au recycleur, quoi. Quoi? J'imagine que j'ai dû passer devant le drone. Je peux déjà retourner au recycleur, quoi. C'est. Ça marche bien, hein. Oh, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Ah, j'ai pas trouvé tant de trucs que ça. Bah, si, une deuxième arbalète normalement. Ah, puis j'ai un deuxième canon bleu. Ah bah voilà. Recycle. Oui, pourquoi je ne les recycle et que je ne fais pas de désassemblage? Tout simplement parce qu'en fait, en les recyclant, je vais récupérer les matériaux, et en les désassemblant, je vais tout simplement récupérer des trucs que j'ai déjà en quantité suffisante. Pour le moment, en tout cas. Vous voyez, que je récupère tous ces trucs-là. Donc, selon moi, pas d'intérêt pour le moment. Ok, bah on y va, écoute, on va à l'extérieur de la station. Oui, je suis sûr. Ça va être cool. Ça va être très très cool. L'espace! Talos 5 est en orbite autour de la Lune à environ 385 000 km de la Terre. Longue de 832 mètres, la station de recherche Talos. 832 mètres seulement? Putain. C'est plus petit que ma ville. Enfin, oui, vous me dites... Enfin, seulement. Ouais, voilà. Voilà le problème. C'est... Tout est relatif. C'est plus petit que ma ville, mais bon. T'as pas une voix flippante du tout. Ouah, microgravité. Il peine assez de propulsion pour évoluer dans un environnement ou espace. Vous pouvez déplacer en apesanteur pour vous déposer et mage pour accélérer. A et E pour freiner. D'accord. Espace pour vous élever et C pour descendre. D'accord. Ok. J'espère qu'il n'y a rien à prendre là-dedans. Je pensais aller où? Cadavre humain. Ok. D'accord, en fait quand j'ai dit je suis censé aller où, j'ai pas compris qu'en fait j'étais entièrement libre.
La musique me rappelle énormément un superbe jeu intitulé putain. Ah, Firewatch? Non. What? Ah, oh, putain. J'adore, c'est un jeu que j'adore en plus, c'est dommage. Je suis vraiment stupide. Là, je me sens vraiment con du coup. Ok. T'inquiète. On a autant de poussées qu'on veut, semble-t-il, donc. C'est vraiment sympa. Bonjour! Salut José. Non, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est vraiment cool. Hop, je peux me remettre, vous voyez, en position. Ça se verrouiller, donc ça sert à rien d'y aller. Le système d'éclairage est assez assez faible. Et j'ai mon arme. Ce qui n'augure rien de bon pour la suite. Mais en tout cas du gameplay assez fun. Je dois reconnaître que là pour le coup, c'est certain. Merde, c'est con ce qui est arrivé dans ton bureau, Simone. Question. Les typhoons, j'imagine qu'ils survivent dans l'espace. Une légère erreur de ma part. C'est pas grave. Je l'ai vu, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, j'ai la quantité incroyable de... Entrer dans le laboratoire de rayons et d'ondes, d'accord. Je sais que je suis pas allé là. Pardon. Putain, il y avait déjà une certaine luminosité apparemment. Oh, il doit y avoir du... Excusez-moi. Quoi, erreur? Verrouillé, intéressant. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Pourquoi serait-il verrouillé? Il faudrait une carte d'accès, je présume. J'espère qu'elle flotte pas, parce que sinon je suis pas dans la merde, vu la bombe que j'ai lancée tout à l'heure.
Ok, bon, on va aller voir le doc. Hey doc, la forme? T'as pas l'air, hein. Ouh. Voyons voir. Ce serait pas la bonne carte. Verrouillé toujours. C'est pour voir si je pouvais le casser. Ok, bon bah c'est pas par là. Ok, ça je m'attendais pas. Là, c'est complètement verrouillé. Ok, donc maintenant c'est quoi que je suis censé faire? Parce que là je captais pas. Objectif, entrer dans l'atelier. On y va. On s'envahit. Ce qui veut dire que je n'ai pas réussi à ouvrir le coffre qui était verrouillé. J'aime pas quand c'est verrouillé. D'aller voir un truc. D'aller voir un truc. Il va y avoir un truc à faire. Non? Ah, c'est quoi ça? Non, je peux pas. Bon bah tant pis hein. Tant pis. Je trouve pas, je trouve pas. C'est pas grave. De toute façon, faut que je déverrouille de l'intérieur pour ensuite ressortir. Putain, ce serait tellement ça. Tous les coups. Hop. Pardon, c'est pas par là. Hop, voilà. Merci. Crac, et je suis bon. Merci. Voilà. Je regarde mon vidéo dans l'épisode, chers amis, avant de vous laisser. Crac, bon, on a largement le temps, on est qu'à 28 minutes. Profitons. Oula, le jeu est en écran noir. Était-ce la chose à ne pas faire? Non, c'est bon. Il est revenu. Un mimique peut se quadrupler après avoir tué un humain. D'accord, oui, effectivement, on l'avait déjà vu ce truc-là. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Ok, je note. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il reste encore des êtres humains? Eh, la question se pose. Scan de la cible, aucun matériel alien détecté. Selon moi, la question se pose. Bonjour, ravi de vous voir, Docteur Yu. C'est pas ici, c'est là. Il n'y a pas de bruit caractéristique jusque-là. Même si ça, on peut appeler ça communément un bruit caractéristique. Des fois j'ai l'impression que c'est en 3D, c'est marrant. Ouais non, c'est en 3D, y'a quelque chose qui va pas dans ce truc.
Ok, bon bah écoutez. Hop. Thermo du docteur Calvino. Ah oui, Calvino. Ok, pourquoi pas, j'acquiesce. Recharge de glu. Ok. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Se suicident entre eux? J'ai l'impression qu'ils ont perdu de la force. Enfin, qu'ils se sont défoncés. C'est étrange. J'ai bien qu'il allait y avoir quelque chose quand même, merde. Hop. Ah, ça les laisse afficher? Ça les laisse afficher, intéressant. Donc quand je zoome sur un ennemi, il reste affiché. Faudra s'en souvenir. Scène de contrôle d'ingénierie, d'accord. Pièce détachée, d'accord. Disque dur HS, d'accord. Pas d'armes, pas de trucs, pas de bidule. Ok, mail. Demande de modification de balance, d'accord. Technique du miroir, ok. Bon bah on y va, hein. Wow, ah non, c'est une caméra. Ce n'est qu'une caméra. Console non alimentée. Merde. Comment vais-je pouvoir l'alimenter? Ici, il y a un truc. Ok. Miroir, prototype déconnecté. D'accord, ok, pas de soucis, t'inquiète. Test phase 1, utilité réseau diagnostic. Diagnostic d'abord, normal selon moi. Serveur déconnecté. Diagnostic des écrans miroirs. Tous les écrans sont intacts. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'entends quelque chose se déplacer. Phase 1, connexion à l'autre impossible. Connexion à l'autre impossible. Utilité réseau. Rétablissement de la connexion. Ok. Les écrans miroirs sont de nouveau en ligne. Retournez le plus vite possible à votre bureau. Vous devez absolument écouter la fin du message. Je vous retrouverai là-bas. Ok. Quoi? D'où tu sors, toi? D'où il sort? D'où il sort? Ah putain, ça va être ça. Ça va tellement être ça. Je vais descendre d'un cran, on va y avoir le coffre. Quelque chose. Lane Carpenter. Ok. Ok.
Brèche. Tire le canon à rien de mon cul. Ok. Je peux prendre le canon à rayonnement cul? Non, je peux pas. Ok. J'aimerais bien prendre le canon à rayonnement cul, s'il vous plaît. Ok. Parce que j'ai les trucs pour le truc, mais enfin. Je les ai. J'ai les munitions, mais j'ai pas le. Pourquoi j'ai la souris qui est apparue? Je viens de le voir. Hop, attendez, j'ai une souris qui est apparue en plein milieu de l'écran. Ok. I. Là, je veux bien. T'es toujours là. Pourquoi j'ai la souris en plein milieu de l'écran? C'est naze. C'est complètement naze. Non, elle est toujours là. Ok, gros bug. Popsy. Plainte sur le lieu de travail, d'accord. Ok, bon bah on va faire 100, tant pis. Je la changerai tout à l'heure en plein milieu de la session. Ça c'est la sortie. Putain, je suis trop con, c'est juste que je suis trop con. Canon à rayonnement Q. Pardon. Rototo. Hautement contraire des particules instables causant l'implosion de la cible, d'accord. Ok. L'erreur ce serait de tenter de l'utiliser maintenant. À travers la porte! Jeu de mes couilles. Ah là 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 là, ça va plus toi, hein. Ça va plus. Ça ne va plus. Bon, par contre, toi, l'espèce de. Merdier, là, tu me pètes les couilles, pardon aussi. Tellement de choses qui me pètent les couilles! Ok, bon, on y va. Passe pas en dessous. Ok. Je suis censé faire comment? Pour aller voir cette demoiselle. Qui n'est pas en détresse. Coucou! On va faire un truc, c'est qu'on va faire une, on va tenter une sauvegarde. Crac. Voilà. Ça n'explose pas. Ça n'explose toujours pas. F9, sauvegarde rapide. Enfin, chargement rapide. Et normalement, on est bon. Voilà. Donc, comment je suis censé passer? Parce que clairement, ça me semble être par là, hein. Attendez, y a un autre PC. Elle me pète les couilles à faire ça. Projet Black Box. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais par contre, comment je fais? C'est toujours que ça? Comment suis-je censé faire pour aller voir cette fille?
Oh les filles, oh les filles. Elle me rend. Deux marteaux. Zéro utilitaire. Vous n'avez pas la carte. Oui, je sais bien que je n'ai pas la carte. Ok. Bon. Eh ben écoute, fuck you. Fuck. Tu te calmes. J'ai pas de retour cette console là, donc c'est dommage. Bah ben, je sais pas comment je suis censé aller voir, tuer cette fille. Non. Faudrait pas que je le... Non mais non, il me donne pas dans le bon sens. Je pensais qu'il allait être dans le bon sens mais non. Et bien sûr. T'as vu la Vierge. Mais j'ai envie de croire que c'est par là. Hein. J'ai envie d'y croire. Hein. Bon bah tant pis. Ils ont repop. Ça ne va plus. Ils ont repop. Mais c'est pas possible. Prochain truc à prendre, armurier. Cuisiner le chou-fleur, pourquoi pas, ouais, effectivement. Alors je crois qu'il est juste en dessous. Ah oui, c'est la souris, putain, je regarde le truc en me disant que c'est un symbole de... Je crois qu'il est juste en dessous, donc d'accord, je l'ai toujours, c'est parfait. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? C'est dégueulasse. Ok, je l'ai. Oh, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Eh ben c'est pas aussi efficace que prévu. C'est pas mal hein, mais c'est pas aussi efficace que prévu. Descends. Donc oui, forcément, de toute façon, il fallait s'y attendre à un moment ou à un autre, les ennemis repop. Hein. Hein. Hein.
plus avoir moyen de passer en dessous. Ah bah oui, bah par là, je l'ai pas visité par là, tout simplement. Je suis trop con. Tu veux pas? Ah. Ok. Ah, labo balistique, c'est bon, on en a un. Et j'ai retrouvé une charge recyclante, ça c'est vraiment très très cool. Ok, bon. Du coup. Il y a des jeux, vous avez vu, il y a des trucs dedans. Des mimiques. Il y a un code. Pourquoi il m'indique deux mimiques là-bas? Enfin, deux bestioles. Bon, déjà, vous deux. Enfin, vous trois. Enfin, vous, je vous scanne. Je ne peux pas. Pour le plaisir, je vous zoome sur la tronche pour le plaisir. Disque dur HS, ok. Ok, pourquoi pas. Ok, cérémonie. Nanana, du souvenir du Xalux droit. D'accord, ok, bon bah si tu le dis. Personnellement, je préférais le Xalux gauche. Mais bon, c'est encore une fois. Libérer la charge recyclante. Huh. Intéressant. Ouvrir. Je peux recycler le mimique. Ça me plaît. C'est une assez bonne nouvelle. Ok. Je revois un tableau. Je me dis que je vais devoir me retaper. Ok, plan. Ah la vache, il faut que j'aille dans le quartier de Dr. Thorstein. Mais je crois que je l'ai déjà, la charge recyclante, en plan. Je sais plus si je peux regarder mes plans. Oui. Charge recyclante. Non, je l'ai pas. Thorstein, mais j'y suis pas déjà allé chez Thorstein. Thorstein. Merde. Merde, 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 merde. Du coup, j'ai toujours pas le mot de passe. Le mot de passe. Caput Draconis. Ok. Voilà, donc. C'est juste ici. Et donc, ce n'est pas ici que je peux passer finalement. Je croyais que je pouvais passer justement en passant par là, mais non. C'est pour ça que j'étais parti chercher autre chose en fait. Soi-disant. Ok, bon. Mais du coup, j'ai toujours pas le mot de passe. Et il est verrouillé, oui, normal. Ok. Ok. Derrière le tableau? Non. Charge recyclante, c'est cool. Deux gants de baseball. Pourquoi pas. Ça doit être marqué quelque part, hein, clairement. Vous allez voir un ridicule post-it quelque part. C'est rien, tout va bien. Tout va parfaitement bien.
toujours pas de post-it, hein. Toujours pas de post-it. Comment je vais trouver ça? Je regarde à l'intérieur, des fois que j'ai mis le post-it à l'intérieur, mais non. Apparemment non, ce n'est pas le cas. Ok. Conteneur à grenades, il est vide. Ah d'accord, il y en avait plein. Ah, je pouvais faire le choix de pas les tuer avec les grenades. Ok, je me suis peut-être un peu chié dessus, mais c'est pas grave. Bon, bah tant pis. Alors au cas où, je vais quand même... Non, je connais pas le code. Ok, bon bah... c'est très rigolo. Je ne sais pas le code, du coup je ne peux pas l'ouvrir. Et comme je n'ai pas l'impression que je peux le trouver dans cette pièce précisément, bah... Ou alors je suis sacrément aveugle, vous l'avez tous vu et pas moi, ce qui est tout à fait possible aussi. Je check, hein, je préfère checker partout. Bonjour madame, vous voulez bien que je vous porte? Oui, non, bon bah d'accord, ok, tant pis. Et donc là, normalement, c'est ici qu'est le coffre, juste à gauche. Coffre dont je n'ai pas le code, non plus. Tant pis, bon bah tant pis, hein. Alors, attention, les ennemis ont potentiellement repop. Ok, non, ça c'est les ennemis que j'ai spotés la dernière fois. Ok, pourquoi pas. Ok, bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça me fait chier. Je veux bien reconnaître que ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Putain. Comment se faire stresser tout seul? Là, j'y ai déjà été. Il n'y avait rien. Ok, bon. Torstein, c'était pas là-haut justement. Putain. Dans son bureau, il y a les plans de la grenade recyclante. Alors. On est d'accord, c'est bien dans son bureau. Je regarde si j'ai pas le log. Le statut donné, pardon. Note. Email, peut-être. Lily, on m'a dit qu'il nous fallait un nouveau plan de fabrication de charge. Il se trouve justement que j'en ai un dans mes quartiers. Rappelez-moi, dans mes quartiers. Dans mes quartiers. Dans mes quartiers, pas dans son bureau. Merde, 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 merde. Où est la tourelle que je viens de croiser, justement, en termes de... Voilà. Hop. Tiens, profite un petit peu d'une seconde jeunesse. Ce qui me fait penser aussi que le coffre... Il y avait un coffre là normalement. Je prends. Il y avait un coffre pas loin normalement. Non? Non, je sais plus alors, tant pis. Tant pis, tant pis. Lunch. Ok. Ah, mais il semblait qu'il y avait un coffre. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok.
Ah, je suis full de chez full. Donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. On y va. Crac. Ok, donc les ennemis auront repop. C'est pas forcément la meilleure des nouvelles que je puisse recevoir, mais bon. Alors, il faut quand même que j'écrive le nom des deux épisodes. J'ai oublié de les noter. Dur, dur. Et là, space. Voilà. Ok. Hop. On va aller recycler, chers amis. Parce que là, on est vraiment full de chez full. Et on en a le... l'occasion ici. Ok. Tri. Il faut qu'on fasse attention. On a aussi trois trucs comme ça. Malheureusement, on n'a pas les choses qui vont avec. Mais on en a trois. Ok, vas-y, recycle. Cool. Ben voilà. Que demande le peuple. Et on va aller voir déjà où est-ce qu'on est dans l'épisode, chers amis, aussi au passage. Nous sommes à 57 minutes. Oula, faut que j'arrête. Salut les gens, c'était Marcus Venus dans la Playroom. Appelez sur d'autres aventures. Salut les gens.